Yo les crocs, c'est Toshikro, bienvenue aujourd'hui sur un nouveau Indie Horror Game que j'ai nommé Min's Haze. Que veut dire Min's Haze? Je pense que ça veut dire œil. Œil Min's. Min's, ça veut dire brouillard, ça peut dire porte, ça peut dire lumière, je n'en sais rien. En tout cas, c'est une histoire d'œil. Donc gardez les yeux ouverts les crocs. Bref, plus sérieusement, je ne connais pas du tout ce jeu, je sais juste que nous sommes dans une espèce de maison hantée, il y a des trucs qui vont bouger. C'est parti! Please increase the volume to reasonable amount, proper volume, amount will allow for you to experience the proper atmosphere. Ok, donc en gros, il nous dit d'augmenter le son dans nos oreilles pour avoir une expérience absolument incredible, absolument amazing, awesome. Ah d'accord, j'ai lu que Min Haze n'incluait aucune sauvegarde. Donc va falloir faire le jeu en une traite, sachant que le jeu est assez long, je pense. On vient de nous dire que le jeu dure entre environ 45 minutes, donc on verra. Wake up. Ok, une voix vient de nous dire wake up. Please. On va essayer de se réveiller. Why aren't you waking up? Pourquoi tu n'arrives pas à te réveiller? Wake up. Ok. Alors il y a une voix, une espèce de voix à la radio. Ouais, c'est ça, c'est une radio. Et il y a un gros orage de... Oh, oh putain. Ok, ça commence direct. Attends, laisse-moi me préparer. Ok, nous jouons les crocs, c'est parti. Yes. Oh là, oh là, oh là, oh là, calme-toi Raj, calme-toi. Oh. Yeah, ça nous met dans l'ambiance, tu vois. Ok, donc il y a un gros orage dehors, l'électricité galère. Bon bah écoutons, on va voir ce qui se cache derrière cette porte. Donc c'est censé être chez nous, c'est ça? Oh putain, on n'a pas de lampe. Oh, on y voit que dalle. Oh, un Teddy. Qu'est-ce qu'un Teddy vient foutre dans ce genre de jeu? Attendez, je regarde juste les crocs si on peut... Non, on peut rien faire, on peut pas régler la luminosité. J'espère qu'on aura une flashlight. Salut Teddy. Oh le con. You have located one sur 5 Teddies. Eh bien, hein. Collecting all 5 beers will disappear affect you. D'accord, donc ça nous dit de collecter 5 Teddies. Il faut essayer de trouver 5 Teddies dans la maison, les crocs. Pour je ne sais pas. Il y aura un score à la fin du jeu. Bon écoutez, plutôt pas mal. Il y a des putains de bruits de pas. Il y a des putains de bruits de pas. Et cette maison me fait étrangement penser à la maison de Emily Wants to Play. Il y a un air. Bref, ici on a un coffre donc avec un code et une lampe dessus. Ça nous dit qu'il y a un coffre avec une lampe sur le coffre. Je pense pas que ça nous est très utile pour l'instant. Bon, on sait qu'il y a un code à trouver dans cette maison. Tout interact. Ah, on a de la lumière, yes. Oh, ah, c'est quoi ce tableau là-bas? Oh, regardez-moi ce tableau glauque. Ah. Ok, alors, on a de la lumière, c'est bon, on peut allumer la lumière. Oh, très bien. Je sais pas d'où venait ce bruit. J'ai pas trop envie de le savoir. On va essayer d'ouvrir toutes les portes. Ok, une lumière s'il vous plaît. Allume-toi. Oui, magnifique. Yes, on a récupéré un bolt cupper probably can cut through thin chain. Oui, est-ce que je peux la prendre? Putain, je peux pas la prendre. C'est quoi cette arnaque? A bolt cutter probably can cut through thick chain. Bah oui, je veux bien, mais prends-la. Bon, il veut pas la prendre. C'est pas grave. On va continuer à fouiller la petite maison, Ecros. Ça m'a l'air plutôt intéressant pour le moment. On va allumer la lumière de la cuisine. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se cache ici? Une note. Comme d'habitude, une traduction française sera disponible sur la vidéo, les crocs, vous inquiétez pas, comme d'habitude, je dis ça à chaque fois, mais je le répète encore, pour ceux qui ne seriez pas, pour les crocs qui ne seriez pas, je mets des traductions en français sur les jeux anglais que je fais en vidéo, pour ne pas que vous soyez paumés, donc vous inquiétez pas, il y aura certainement une traduction de tous les textes anglais que vous voyez sur cette vidéo, inclus les notes. Je tiens à le dire. C'est du taf, hein, les crocs. Vous ne savez pas, mais c'est du taf de traduire. Hein. Ok, attends. On va essayer de traduire, du coup. Ailleurs, on doit t'abonner de tout Tom. Ah. Tom. Il y a un Tom dans le jeu.
Don't you dare forget that is what you are. Alors, Tom, c'est peut-être nous, parce qu'à la fin, on nous dit Tom va peut-être se réveiller. Ou va se réveiller, donc ça peut être nous, Tom. D'accord. Bon, j'ai pas trop compris. Heureusement qu'il y aurait une traduction. Ah ! Oh non, 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 non ! Oh ! On a des allumettes. Parfait, on a des allumettes. Cool, cool, cool. Oh, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon du tout. Ça ne sent pas bon du tout. Alors, est-ce qu'on peut allumer... Est-ce qu'on peut allumer des allumettes à l'infini ? Ça serait plutôt pas mal. On va retourner dans notre chambre, les crozes. Ici, il y a une porte. Oh là, on... En fait, c'est simple. Quand les allumettes fondent... J'ai rétabli le courant ? Oui, j'ai rétabli le courant. Quand les allumettes fondent, on n'y voit absolument plus rien. Mais vraiment, c'est assez hallucinant. Alors, est-ce qu'on peut prendre la... Non, on peut toujours pas la prendre, cette putain de pince. C'était là, ça, tout à l'heure ? Je ne pense pas. Ok, on vient de mettre deux chaises, donc les unes contre les autres. C'est de l'art, les crozes, c'est de l'art ! Bon. Ah, une planche cassée, tiens. Ça, il n'y avait pas ça tout à l'heure aussi. Oh là ! Cette armoire vient d'imploser. Bref. Non, il y a vraiment des bruits chelous chez moi. J'aime pas trop ça. Ah, regardez, il y a encore une chaise ici. Oh là 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 là. Je m'y attendais tellement pas, les crozes. Je m'y attendais pas du tout, bordel de merde. Mon dieu, il était horrible. Il était horrible, ce con. I don't remember, vas-y, c'est fini. Ok, il y a un truc là. Oh putain, je vous jure. Wow. Ok, on continue. On continue. Putain, c'est atrocement flippant. Atrocement flippant, ce qu'on vient de voir là. Bordel. Bon, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Eux tout interact, non, on s'en fout. Oh la vache, putain, le con. Je m'en remets pas, les crocs, je vous jure, je ne m'en remets absolument pas. Bon. Bon, 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 bon. Donc, il y a un monsieur chez nous, et il nous veut pas du bien, je pense. Alors, le gros problème, c'est que je ne peux pas prendre cette pince alors qu'elle me serait très utile pour péter une porte. Mais je ne peux pas la prendre, en fait. On va essayer d'y retourner, ici. Ne reviens pas, salopard. Non, c'est bon. Ah, nous pouvons fermer les portes. Ça c'est une très bonne chose, ça. Ah ! Oh, 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 non, 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 non ! Putain, j'ai des frissons de partout. Ce jeu me rend terriblement mal à l'aise, les crozes, mais vraiment. C'est bien fait, en fait, pour un jeu d'horreur gratuit, parce que oui, il est gratuit. Pour un jeu d'horreur gratuit, il est extrêmement bien fichu. Ah, oh, putain de merde. Allez, Toshi, t'as connu pire que ça. T'as connu pire que ça, mon grand. Je sens la rap... je sens l'apparition très bientôt, en fait. Ah ! Ok, il y a un cadre qui vient de tomber. C'est rien du tout. Je sais pas pourquoi j'ai flippé pour ça. Bordel. C'est juste un putain de cadre. Qu'est-ce que c'est ? Ah, mes oreilles ! Comment on arrête ça ? Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ça fait trop mal. On vous l'a dit, monsieur les monstres, de ne pas fumer dans la maison, bordel. Regardez-moi ça, maintenant. On est dans la merde. Ok, certainement. Oh, le con. Oh, le con, vite. Where did the lever go? Oh, non, il n'y a plus le levier. Ok, le levier a disparu. Il faut retrouver le levier pour remettre l'électricité. Non. Ok. 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 Ok, ok, pas de soucis. On va y aller très lentement. On va pas se presser. Ok, donc il n'est pas dans la salle de bain. Le levier n'est pas... Putain, par contre, on y voit que dalle quand on a plus d'allumettes, hein. C'est abusé. Bon.
trouvons ce foutu levier de merde. On va checker la cuisine. Oh mon dieu, vite. C'est bon. Cuisine. Nope. Toujours la même lettre. Et rien ici. Oh là là, ça va se... Ah là là là, il y a un truc. Oh putain, c'est une lampe torche. Ah non, c'est le levier. Oh, il y a eu un bruit dans le salon. Je cours. Je m'en bats les couilles. Ouais. Yes. En fait, c'était rien du tout. Je m'attendais à un truc de malade. Il y a juste eu un petit bruit dans le salon qui m'a fait peur un peu, mais à part ça... Ah, il y a un bruit de porte. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Ok, il y a un bruit de porte qui vient de s'ouvrir. Et c'est ici. On va y aller. Ah non, mec, non. Pas tout de suite. Attends un peu. Ok, bon, il vient de la fermer, du coup, ça ne sert un peu à rien ce qu'il vient de faire. Ok, on y va. Je pense que nous sommes invités. Donc on va. Oh là là, mon dieu. Allons-y, Cross. Allons-y. Oh là 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 là, non, s'il vous plaît, pas ce genre de couloir. Vous savez que je déteste ça, putain. Oh, c'était quoi ce. Hey. Oh, c'était quoi ce. Hey. On court. On est en situation de danger, les causes. Nous sommes en situation de danger. Je vais rallumer une petite allumette parce qu'on n'y voit pas grand chose ici, c'est quoi. Ok, on vient d'ouvrir une. Putain. On vient d'ouvrir une porte bizarre là. Ok. Ah, c'est bon. Press and hold shift to run. Oh putain. Il nous conseille de courir, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on va se faire poursuivre. Localiser et activer les 3 PC. Les 3 computers. Mais écoutez, Croze. Ah, le monstre y arrive. Ah non. Il va me tuer. Non. Ok. Nous sommes morts. Eh bien écoutez, Croze, on va s'arrêter là pour cette première partie sur Min's Haze. Je vais pas faire le jeu entièrement parce qu'il faut environ 3 quarts d'heure pour le finir. Ah, et je pense qu'une vidéo de 3 quarts d'heure, ça va être un peu trop. Donc on va s'arrêter là, on va faire une petite pause, les Croze. Je me crois en live, mais en disant une petite pause, non. On va s'arrêter là. Dites-moi si vous voulez une deuxième partie sur ce jeu. Moi, je suis chaud. Ok, on va arrêter. Tu sais quoi, je vais quitter le jeu. Ah oui, mais il n'y a pas de sauvegarde, c'est pas grave, je me retaperai tout. On va arrêter là. Voilà, super. Et dites-moi donc dans les commentaires si vous voulez une seconde partie. Moi, je suis très très chaud, ce jeu est vraiment pas mal. Il est gratuit, il est sur Steam. Proposé gratuitement, je vous laisse un lien dans la description. Téléchargez-le, il est génial. Moi, je pense faire la suite de toute façon, donc il y a une deuxième partie qui va arriver sur la chaîne, sur ce Les Croze. J'espère que cette première partie sur Min's Haze vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. On se retrouve très bientôt. Et bien pour la suite du coup, je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien les causes et à très bientôt. Ciao.